Matasserix, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit donc test sur l'herbe, donc sur le foin, avec donc l'enrubanneuse donc Ursus, ainsi de la presse Ursus et de l'enrubanneuse. Donc c'est leur série numéro 10. On y va, on se lance, donc je démarre mon tracteur. Je pense que je peux déjà mettre la course. Donc j'ai fait au préalable avec l'endemmeur une course. Alors je vais déjà regarder si c'est bien. On va déjà regarder si dès qu'il est rempli, il se vide et il repart directement ou s'il fait tout le tour. Non. C'est bien ce que je pensais. Hop, c'est reparti. Donc là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, du coup, je prends l'enrubanneuse. Alors là. On va se mettre juste là, voilà. Donc je sais pas comment ça marche avec le toco, avec le course play. Ah oui, par contre, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, hop. Bon, on va le ramasser tout seul, hein, parce que sinon. Ah, par contre, c'est pas mal fait, alors. L'animation. Je vais être obligé de faire tout seul, malheureusement.
Bon. Je vais faire quelques bottes, ou je vais faire toutes les bottes, et on se retrouve tout de suite après. Allez, petite ellipse. Après, je vais charger, j'ai un atout steak balle ronde qui fait 20 balles, qui peut ramasser jusqu'à 20 balles. Donc, on se dit petite ellipse et à tout de suite. Voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Alors en fait la map c'est la Andreas la Andreas map. Bon, elle est assez grande. Je vais essayer de faire avec celui-ci pour voir. Ah merde, c'est pas le bon truc. On va faire comme ça. Herbe. Tac. Alors j'espère que ça va marcher. Vu que les bottes ont bougé. Du coup, attendez. Faut que je mette un peu à 6. Qu'est-ce que t'as encore? Ça fait problème. Attendez. Ah, c'est parce que j'ai mis route. Il faut que je change de mode. Je vais mettre celui-là. Sinon, il n'ira pas. Merde. Voilà. Hop, ça sera mieux. Voilà mon auto-chargeuse à balles rondes. Donc celui-là fait 20 balles. En fait, j'ai. Donc par contre, c'est pas des balles normales, donc forcément. Ça laisse dans l'autre sens. Ou alors je ramasse moi-même. Ouais, je vais ramasser. Donc c'est comme pour les balles carrées, hein, ou les balles, une grosse balle ronde. Alors pourquoi il y a un espace? Tout simplement parce que les balles sont toutes petites. Donc on a remarqué elle est assez grosse pour tourner. Elle me dit la merde. Donc là je vais ramasser plus vite que je ne fais l'enrubannage. Il y a déjà au moins plus de 20 balles donc je vais déjà prendre ceux qui sont déjà toutes faites. Comme ça sera bon. Alors ce qui est bien sur cette map, c'est que il y a des bateaux qui passent sous des ponts.
Donc dès qu'il passe, le plan se soulève. Et il y en a, le pont se décale à droite, l'ancien. L'animation est bien faite, mais après, au niveau de la texture, c'est pas très. Je sais pas, ça rentre un peu dans. La route rentre un peu dans la partie qui tourne rentre un peu dans la partie fixe. Donc là on est déjà à 14 balles. Donc après en fait ils ont enlevé pour vendre des balles à la ferme, c'est BGA, ils ont mis pour ceux qui connaissent comme ça, le mode de vendre des balles à la centrale de balles. Donc ils l'ont mis au BGA. Donc moi je l'ai cherché partout où vendre les balles. Je l'ai trouvé. Du coup, là, on arrive à 17 balles déjà. Et 18, il reste une balle à mettre et puis c'est bon. Donc du coup on va rebaisser, remonter tout ça. Donc on s'est dit petite ellipse le temps que j'arrive au BGA pour vendre mes bottes. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve cette fois-ci donc au BGA avec donc la machine pour vendre les balles. Donc ici j'ai déplié, donc je hop et c'est parti. Voilà. Donc après, donc du coup, je pense que ce sera tout. Donc je vous ai montré comment un peu enrubanner la presse. Voilà. Donc la presse, je vous montrais que j'ai mis le course-play. Hein. Après j'ai mis, donc j'ai fait moi-même parce que bon. Ça marche pas comme il faut, mais bon, normalement en fait, je vais vous montrer juste comment on fait. Donc, si là je vais couper, je vais prendre juste la presse, alors elle est où? L'enrubanneuse. Voilà, donc je déplie. Voilà. Voilà. Donc elle prend automatiquement les bottes. Ben en fait vous avez un peu vu, mais normalement il faut attendre en fait. Donc là elle tourne. Vous allez jusqu'à la prochaine balle. Vous attendez. Après une fois que celle-ci, je vais quand même vous montrer les touches. Donc une fois que la balle sera terminé, le truc va s'arrêter. Voilà, donc là c'est bon. Vous videz. Hop, ça se vide. Et le plateau se remet bien après. Donc il retourne dans l'autre sens. Et après il charge la balle. Et voilà. Donc là, moi je vais finir tout ce champ. Bon, les modes, moi je les prends principalement. Donc il y a le site officiel, donc Farming Simulator, le site officiel. Après, j'utilise aussi FSUK, lsmitres.com, ls-planète, et bien sûr le lsportail ou alors. Les portails, je sais plus comment il s'appelle ce vrai nom. En fait, il s'appelle ls-portail.ue. Donc c'est aussi un site de mod. Et bien sûr, le mod Ouster.
qui est pas mal aussi, qui propose pas mal de modes. Donc voilà, sur cette enrubannage, on va se dire à la prochaine et puis à bientôt tout le monde. Allez, ciao.